Coucou les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo avec le partenariat In Love Art. J'ai enfin reçu mes produits. Il y avait un problème l'autre fois. Bon, ils ont été gentils parce qu'ils m'ont offert les trois produits qui faisaient partie d'une commande qui était incomplète. Bon, du coup ils m'ont redonné accès à commander d'autres produits. Enfin bref. Tout ça est une longue, longue histoire. C'est dommage parce que dans ceux que j'ai commandés, il y en avait qui me plaisaient beaucoup. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai commandé et puis je vais vous montrer l'effet que ça fait. J'ai pas encore fait de créa avec parce que j'ai pas commencé j'ai pas commencé les créations d'Halloween, tout ça, j'ai pas encore commencé. Et surtout là j'ai un petit projet puis je pense que ça va me prendre du temps parce qu'il faut que je fasse des petites choses en résine mais en pâte fimo là ou là pâte action je sais pas, faut que je trouve. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai reçu. Alors j'ai déjà tout essayé comme ça. J'ai commandé ce dice aussi. Alors j'ai fait que du Halloween hein, parce que ça tombe bien parce que moi j'avais rien. Sur Halloween, par contre, ce que j'ai, c'est que j'ai pas de papier et je pense pas qu'ils en fassent. Je sais pas, faudrait que je regarde. J'ai vu qu'ils font du papier pour Noël, mais Halloween, je sais pas. Puis là, peut-être que ça va être juste. Quoique c'est le 31 octobre, bon, enfin, bref, on s'en fout. Voilà, j'ai commandé déjà ce dice-là. Alors, la taille, il fait de diamètre environ. Je dis bien environ, hein, on est pas. Il fait 11 cm. Alors, vous voyez, c'est deux sorcières au-dessus d'un chaudron. J'adore. J'aime beaucoup les sorcières. Ça me fait rigoler, j'aime bien. J'ai commandé également une jolie sorcière comme ceci. Vous voyez, encore les petits picots parce que j'ai pas tout enlevé. Ça, c'est une petite sorcière super mignonne avec son petit balai. Là, il y a des écritures. Et vous voyez, on peut lui faire les chaussettes rouges et blanches, là. J'aime beaucoup celle-là. Elle est très mignonne. Faut juste enlever les petits machins, là. Faut que je retrouve ma petite brosse. Mon petit pinguino là que j'avais acheté pour enlever les petits trucs là. Voilà, enfin bref. Voilà. J'ai commandé ça là aussi. J'ai commandé également celui-ci. Alors, je le trouvais très joli. Mais je le valide pas spécialement parce que la toile, ça va. Mais les mots, c'est infernal. C'est infernal parce que c'est bon bah c'est lettre par lettre, en fin de compte. Ils sont pas reliés. Les lettres sont très jolies. Hein. Allez voir, regardez, si je retire le... Vous voyez la galère, celui-là, pour l'enlever? Attends, ça me va pas, moi. Moi, je suis pas patiente. Vous voyez, le E est très joli. C'est des jolies lettres. Mais c'est une par une. Pigé ou pas pigé. Ce qui fait que moi, vous me connaissez. Là, ça va vite me gaver, ça. Ça doit être le mot trick or treat. Trick or treat. Des farces ou des bonbons. Vous voyez, c'est un peu galéros. Bon, moi, ça me... Voilà. Par contre, la toile, elle s'en va. Vous allez voir, j'ai fait le test. La toile part bien. Mais les écritures, bah... Voilà, je regrette que ça soit lettre par lettre, quoi. Ça m'ennuie. Par contre, les lettres, c'est vrai qu'elles sont super jolies. Faut voir. Faut voir où il faut de la patience. Alors ça c'est pour les dies. Et en tampon, j'ai commandé des mots. Vous voyez, alors c'est des mots en anglais, hein, mais c'est pas grave. Il n'y a rien de sorcier à comprendre. Happy, Halloween, scary, outing, trick or treat, greeting, chauve-souris, night, oui. Real. Voilà, on peut faire des mini phrases comme ça. Oui. Et ils sont marrants, ils sont façon. Halloween, écriture, oui. J'ai commandé celui-ci et également celui-ci que j'ai mal remis parce que je sais pas, j'ai un grave problème pour mettre, je sais pas dans quel sens ça se met, ça me saoule aussi. Oui, et également celui-ci qui est super aussi. Alors là, il y a écrit Monday 31 octobre, sauf que cette année, ça tombe un samedi hein, et pas un lundi, donc voilà. À la limite, on enlève le Monday. C'est tout est détachable. Hein, et on écrit 31 octobre tout seul. Voilà. Et le mot Halloween, il est très bien le mot. Je vous montre comme ça, c'est mieux. Le mot Halloween, j'aime beaucoup.
voyez, vous pouvez vous en servir pour d'autres cartes. Donc ça, c'est Genialous de chez Genialous. Alors, j'ai rien fait de spécial, hein. J'ai juste, je vous montre juste ce que ça donne. Alors, pour ce qui est des dailles, ça fait ceci. Je vous ai mis sur une feuille blanche pour mieux voir. Vous voyez, j'ai essayé deux fois de faire celui avec avec la toile d'araignée, là. Et puis, les mots, ben non, j'ai essayé, mais je trouve ça, moi, pour moi, c'est trop galère. Maintenant, il y a des gens très patients. Ah ouais, ça, j'en ai vu des très patientes. Mais alors, moi, c'est pas mon fort, vous voyez? C'est pas que c'est pas mon fort, hein, je serai patiente, hein, c'est parce que, voilà, je peux pas rester longtemps assise. Voilà, quoi, c'est plus technique, si on va dire comme ça. Voilà, donc, le petit dies des petites sorcières avec écrit Spooky, ça donne ça. Sylvie, t'as qu'à mettre... voilà, hein, je crois que ça sera plus malin. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, bien sûr, je vais vous mettre dans la barre d'infos le code qui vous donne accès à 15%, je crois, c'est 15 ou 20, je ne me rappelle plus. Enfin, bref, je vous donne, mettrai le code promo ou éventuellement sur la vidéo, je sais pas. Voilà, il est encore temps, ça arrive... c'est arrivé... à peu près 13 jours, ça n'a pas mis 15 jours. Hein. Voilà. Donc vous avez encore le temps de commander, bien entendu. Oui. Bien entendu. Ma petite sorcière, bien aimée, j'aime bien. Elle est trop mignonne. Vous voyez. Bon, j'ai fait en noir, mais voilà, pour que ça ressorte. Hein, mais... Et les petites toiles d'araignée, elles sont très jolies aussi. Vous mettez ça, par exemple, comme ça, dans votre carte. Et ça peut faire très joli. Voilà, vous trouvez le truc. Bon, c'est vrai que c'est dommage que j'ai pas de papier Halloween, quoi. Ça serait trop mignon. Mais bon, je sais pas pourquoi ils font pas. Même chez Action, hein, je sais pas pourquoi ils font pas des blocs Halloween, là, au lieu de nous mettre Noël au mois d'août. Pourquoi ils font pas des trucs du papier Halloween? Ce serait super joli. C'est des très belles couleurs. C'est amusant et tout. Je vois pas pourquoi ils font pas. Enfin bref. Voici même pour ce qui est des tampons. Des tampons. Alors, je vous montre les tampons ce que ça donne. J'en ai fait quelques-uns. Ils sont pas mal. Ils sont sympas, hein. Moi j'aime bien. C'est joli. J'adore. Je suis en train de penser au coût du papier Halloween. C'est vrai, ça me perturbe parce que même si je veux faire une carte. Voilà quoi, il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas grand chose sur comme fond, quoi. Enfin bref. Et là, bon, j'ai un peu cacatoé là, mais vous voyez, bon. Ce que ça donne. Le Halloween, il est génial. On dirait le titre du film. C'était les mêmes écritures, la même police d'écriture, quoi. Et là, voilà. Donc je pense qu'il est pas mal, les gars. La petite toile avec l'araignée, il y a des petites chauves-souris. Je trouve qu'il est super. Voilà les amis ce que ça donne. Alors là pour l'instant c'est juste une présentation de ce que j'ai acheté. Ce que j'ai commandé du moins. Et puis après bah, je vous ferai une... comment? Je vous ferai des créas, des trucs d'Halloween quoi. Sachant quand même que j'en ai fait pas mal les deux autres années. J'en avais fait... bon... Voilà, là j'ai une idée déjà, un truc que je vais faire, mais voilà, faut que je réfléchisse un peu, faut que je me dépêche surtout, hein. Faut peut-être un peu s'activer, surtout que j'ai même pas encore commencé des créas d'automne. Je ne sais pas si vous voyez. Bref, c'en est tout pour ma petite vidéo In Love Art. N'hésitez pas à aller sur leur site, à regarder tout ce qu'ils ont. Franchement, il y a du choix pour n'importe quelle occasion. Pour Noël aussi, hein. Noël, je sais pas si je sais pas, je sais pas s'ils vont me recontacter pour recommander des choses. Je pense pas que je prendrai sur Noël parce que j'ai plein de choses. J'ai déjà plein de trucs, donc non, je verrai pour éventuellement autre chose. Mais Noël, j'ai quand même, j'ai toute une grosse caisse là. Vous savez, les grosses caisses transparentes chez Action, j'ai plein de trucs de Noël, donc j'ai pas besoin. J'ai pas besoin, quoi. Non. Donc je verrai autre chose, soit de l'encre, soit je sais pas. On verra. Et si il me recontacte, bien évidemment.
Voilà, c'en est tout pour ma petite vidéo. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et puis, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye, bye.